Initiating system 1. System 1 loaded. Ohio. Je veux juste faire un échange. Je suis sur Fallout 4 et c'est Genshin pour servir. Aujourd'hui, je suis Get. Ouais. Time. Bref, je cherche le conseil. Restez en alerte. Ne baissez pas votre garde. J'ai compris de quoi les robots de Grey Garden avaient besoin, et je les ai aidés. Le mieux, c'est qu'ils veulent devenir miliciens. Ah, tiens donc. Je ne m'imaginais pas recruter de robots, mais... Pourquoi pas? S'ils sont volontaires, ils pourront nous être utiles. Puisque vous êtes là, on peut enfin commencer à penser à autre chose qu'à notre survie. On s'est tellement développé qu'on a du mal à communiquer avec toutes nos communautés. Un niveau en plus, c'est le genre de problème que je suis content d'avoir. Et j'en ai la solution. Je crois qu'il est temps de reprendre le château. C'était le QG des miliciens bien avant que j'en fasse partie. Il est bien fortifié, bien placé, et surtout, il est équipé d'un puissant émetteur radio dont on pourra servir pour communiquer avec tout le Commonwealth. Intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé à ce château, s'il est si bien fortifié? Ça s'est passé bien avant mon époque. Mais on raconte qu'un genre de monstre est sorti de la mer et l'a détruit. Beaucoup de chefs sont morts pendant la bataille, et les autres ont dû se dire que c'était trop risqué d'essayer de le reprendre. Je me suis toujours demandé si la perte de cette station radio n'avait pas été le début de nos ennuis. Vous voulez que je rassemble des troupes d'assaut à proximité du château? Qu'est-ce qui est arrivé à ce château? Ça s'est passé bien avant. Vous voulez... Qu'est-ce qui est arrivé à ce château? Ça s'est passé... Uh-huh. Vous voulez que je rassemble des troupes... J'y réfléchis et je vous tiens au courant. À vous de voir. Dites-moi juste quand vous voudrez passer à l'action. Okay. J'ai une mission un peu différente à vous proposer. Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. Ok.
tout ça. Regarde. Défense. Je suis un peu partout, je pense que c'est trop ok, je suis au milieu.
Ça devrait être fait depuis longtemps. On aurait bien besoin de votre aide. De quoi vous avez besoin ? Il y a des sales bêtes qui traînent juste à côté d'ici. Je sens qu'elles ne vont pas tarder à nous causer des problèmes. Ce qui est dommage, c'est que l'endroit serait parfait pour une nouvelle colonie. Je connais même des gens qui aimeraient s'y installer. Si vous pouvez faire en sorte que le vieil atelier soit toujours utilisable, les nouveaux occupants pourront s'en servir pour leurs travaux. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. On commençait vraiment à désespérer. Ok, bref. Bienvenue au laboratoire Cambridge Polymer. Nous proposons des offres d'emploi dans le domaine de la recherche scientifique. Souhaitez-vous postuler ? Bien sûr. Quoi de mieux qu'un emploi de bureau en pleine apocalypse ? Voyons les offres d'emploi qui pourraient correspondre à votre profil. En raison d'importants besoins de personnel dans tous les domaines, nous avons simplifié le test d'embauche. Question numéro 1. Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la synthèse de polymères ? La synthèse de polymères ? C'est quoi ça ? Calcul des résultats du test. J'ai le plaisir de vous proposer un poste de technicien de surface. Une carrière brillante dans le nettoyage des sols vous attend. Souhaitez-vous suivre le parcours d'intégration avant de vous mettre au travail ?
Le parcours d'intégration ? Le parcours. Souhaitez-vous suivre le parcours d'intégration ? Non, pas la peine. En raison d'un manque de personnel, le parcours d'intégration n'est pas nécessaire. Suivez-moi au laboratoire. Les boissons gratuites sont à la disposition des employés. Veuillez étiqueter tout. Je crains que il y a un truc bizarre dans ce véhicule, dans ce bâtiment. Voici votre combinaison et votre serpillon. Prenez le temps de vous mettre en tenue. Puis, dans la chambre. Vous accueillera de l'autre côté de la chambre de décontamination. Merci de votre attention. Bienvenue dans l'équipe. Veuillez entrer dans la chambre de décontamination. Je dois vous informer que Elwood, notre directeur, a imposé des heures supplémentaires afin de rattraper le retard accumulé. En conséquence, personne n'est autorisé à quitter les laboratoires tant que le... What the fuck? Le projet de revêtement piézo-nucléique n'est pas terminé. Adresse. Ok, d'accord. Je crois que ça va être une autre mission en fait. Écoutez-vous au chef de projet, le docteur Elwood Woolum, pour toute assignation à des recherches. Démarrage de la séquence de décontamination. Houston, nous avons un gros problème de Google.
Adressez-vous au chef de projet, le docteur Elwood Woodham. Toute assignation à l'indication, démarrage de la séquence de décontamination. Ouais. Bordel hein, quand même hein.
pas du tout cette créature. Avant d'ouvrir la chambre, ici, je vais peut-être mettre en quelque sorte une défense contre cette goule radioactive. C'est trop dur pour moi.
Merde. C'est vraiment, mais vraiment con. Hein.
Ok, d'accord. Ça sort comme ça, ok, d'accord, ça sort du... ouais. C'est quand même assez chelou quand même comment ça sort, je trouve. Ça c'est chiant. Surtout quand tu vois quand tu marches, c'est toi. Parfait. Yes. Je viens du Massachusetts. De ça et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo en mon compagnie, en ma compagnie plutôt, sur Fallout 4. Bon, ce changement est un peu long là. Allez, active-toi. Bref, voici la fin de l'épisode. Ciao.